Et y'a tout le monde, c'est ce que j'ai aujourd'hui, on se retrouve pour semer le temps de semer le temps, allez c'est parti. Ouais bah vas-y, voilà, ça c'est bon, c'était fait, tu vois. C'est un défi qu'on m'a dit de faire. Mais sauf qu'à chaque fois j'oubliais de le faire, là cette fois j'y ai pensé, donc je l'ai fait, voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va faire l'intro normale, donc... Yo les Nakama, c'est Shodaime, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12, comme les 12 chevaliers du Zodiac. Voilà, pas de défi dans la même vidéo, trop bien, waouh, ce mec a du talent quoi. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, voilà, bref, maintenant qu'on a fait toutes ces conneries, d'ailleurs, je sais même pas si on a 12 de chevaliers du Zodiac, j'ai jamais regardé, donc, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. En tout cas, on se retrouve pour l'épisode 12 de Nanatsu no Taizai, ou The Seven Deadly Sins, Night of Britannia. Dans le dernier épisode, eh ben, on est allé à la capitale, et on a commencé notre périple pour sauver Elisabeth. Enfin, pour récupérer Elisabeth plutôt, parce que c'est pas comme si elle était dans la merde non plus. Mais en gros, voilà, on est parti chercher Elisabeth. Qu'on a toujours pas récupéré, tu vois. Mais là, justement, on se bat pour. Donc, dans le royaume de Lyonnais, on a vu Arthur, Hendrickson et Dreyfus. Voilà. Donc, on va continuer. Mec, aucune émotion, tu sais. Voilà. On va continuer. Une promesse vieille de 700 ans. Attends. On va voyager. Non, y a pas de quête secondaire, ça, c'est bon. Allez, de ce cas-là, on se lance. Alors, quête, donc, on va se faire ça. Alors, King contre... Ah, combat intéressant contre Elbram sous sa vraie forme, tu vois. Alors, King s'oppose à Elbram qui tente de tuer Diane. Il se prépare à vaincre Elbram pour de bon afin de respecter sa promesse. Allez, on va voir ça. Ça, c'était assez émouvant, je trouve. C'est triste un petit peu, tu vois. Bon. D'ailleurs, dans la saison 2, Diane... Pauvre King, quoi. Je crois qu'il va jamais la serrer, t'as vu. Franchement, tu sais que Elbram, jusqu'à ce que je comprenne, tu vois, franchement, je voyais tout. Il m'a fait serrer ce personnage. Je me dis, mais wesh, au final, c'est qui? Si ça se trouve, ça, c'est encore une autre forme, le truc. Tu sais, j'ai pété un câble, genre. Tu le vois sous trois formes différentes. Au début, c'est un arbitre qui ressemble à rien. Ensuite, ça devient un chevalier du Zodiac, le mec. Et là, ça, il s'est transformé en lutin, le mec. Enfin, en lutin, qu'est-ce que je dis? En fée, le mec, il s'est transformé en fée clochette, le truc, tu sais. Franchement, il m'a fait serrer plusieurs fois ce personnage quand je regardais l'animé. Hein. Mais bon, maintenant c'est bon, c'est ça, c'est sa véritable apparence, et voilà. Là ça va être un combat intéressant, on va débloquer le vrai Elbram. Merde, j'aurais dû me téléporter. Son gameplay en tout cas il m'a l'air d'être assez intéressant. Respecte-moi. Respecte-moi. Mais King, ah,
Ah là, tiens. Là c'est un combat purement aérien. What? Bon, what the fuck. King il a un peu des yeux derrière le crâne. C'est quoi? On va pas se casser la tête. Attaque ultime. Ultra soleil. Allez Bulbizarre. Waouh. Je savais pas que ça avait aussi peu de portée en fait. Bon, toi, j'ai envie de te rentrer ton épée dans le cul, là, bâtard. Allez, Bumblebee. Allez, putain, mais on a déjà plus de magie. Ouais, bon, tu spams un petit peu, toi, quand même, Gérard, là. Voilà, petit enculé. Ah merde, attends, j'ai mon attaque ultime, elle est presque. Allez, allez, là il prend et il crève là, vas-y, crève, rends l'âme, bâtard, crève. Crève la putain de ta race. Allez, ultra soleil, Bulbizarre. Je sais même pas si l'attaque c'est ultra soleil en vrai dans Pokémon. Je sais même plus si ça se dit comme ça, genre, je suis complètement zappé. Je pense que Zamasu approuve, tu vois. その兜、君へのプレゼントなんだよ。君なら気に入ってくれるかと思って。人間にもらったんだけど、でも俺っちもバカだね。よく見たらセンスのかけらもない。 En vrai, je vais pas vous mytho là, je vois ça, t'as vu, je ressens rien du tout, c'est tellement bullshit comment c'est fait, genre... Alors que franchement, en animé, tu sais, j'ai vu, c'était triste le truc, tu vois. Mais un truc que j'ai oublié, il me semble que, en fait, c'était un cadavre qui se battait depuis le début, en fait, Elbram. Le mec, il a toujours été mort, en fait. Je sais pas, il y a une connerie comme ça, j'ai un petit peu oublié avec le temps, tu vois. Mais bon, là, vu que je regarde l'animé en même temps, ça m'aide à me rappeler un petit peu. Parce que là, comment c'est raconté, c'est bullshit, tu vois, je comprends rien, genre. Je vous dis, regardez l'animé, hein, quoi. Pour vraiment tout comprendre à 100%, voilà, le jeu, ça va pas vous aider, hein. Putain, pourtant, tu vois, il m'a défoncé. Et par exemple, dans l'épisode d'avant, s'il te plaît, avec Gowser, bon, il y avait Milieu d'As avec moi, mais j'ai niqué des darons, franchement, tu vois, on va pas se mytho. J'ai eu Rambé. Et on m'a quasiment rien fait, j'ai quasiment subi aucun dégât. Là, t'as vu, on m'a enlevé facile la moitié de mes vies. Et Rores. Et bon, c'est que j'ai sauvé Diane, donc récompense en montrant son boule. Non, le plus beau c'est Erwin. C'est Erwin le plus beau, ok? Même si c'est pas dans le même manga, il est tellement beau! Allez, on a débloqué Helbram sous sa vraie forme, sa véritable apparence. Créer objet magique. Ah, là, tu vois, je peux fabriquer deux trucs. Donc il y a ça. Mais en vrai, j'ai rien envie d'équiper, tu vois. Franchement, ça me pète les couilles, cette gestion de telle limite. J'aurais préféré qu'il fasse rien, en fait, tu vois. Genre, cette gestion-là, je trouve, c'est inutile.
Et c'est chiant à équiper en plus, tu vois. Genre, j'aime bien les débloquer, les trucs, ça, y a pas de souci. Mais quand il faut les équiper, c'est très chiant pour de prendre le temps de le faire sur chaque personnage et tout. Laisse tomber, t'as vu. Je m'en sors très bien comme ça. Donc voilà. Là, y a pas d'autres quêtes secondaires. Bon, on va continuer dans la principale. L'affrontement fatidique. Alors. Vaincre tous les ennemis. Alors nous on a Meliodas avec l'épée de Lys, bah forcément on aura toujours ce Meliodas à partir de maintenant. On fait équipe avec Arthur et on va se battre contre Gilsender et Hendrickson. Ou un coup je dis Hendrickson, je sais pas, c'est selon. C'est dans le feu de l'action, tu vois. Après une longue attente, Meliodas et Gilsender se préparent enfin à s'affronter pour défendre ce qui leur échappe. D'ailleurs ça j'ai oublié, parce que Gilsender en fait c'est pas voulu genre comment il est avec Meliodas en fait. Il y a un truc, il y a des trucs que j'ai pas compris, que j'ai oublié en fait, que je sais... Enfin cherchez pas, voilà, je... En gros Gilsender il se bat contre Meliodas mais à contre-cœur depuis le début, voilà, faut le savoir, mais... J'ai oublié pourquoi en fait. Allez, on va se battre. Viendez vous battre là. Allez, viendez là. Oh, le chargement du diable là. Envoyez un ruine, il est tellement plus beau. Voilà, et cette phrase justement c'est pour dire qu'il va mal en fait et qu'il fait ça à contre-cœur, genre qu'il a un problème en gros. Voilà, et Meliodas il l'a très bien compris. Allez, vas-y. Je vais me taper contre le petit Gil. Voilà, tiens, dégage. Oh, comment je l'ai éjecté comme une grosse merde. Tiens. Merde. Oh, tu vas où, ta mère? Merde, j'ai déjà plus de batterie dans ma manette, fais chier. Ah mais vas-y les deux me focus. Allez tiens Furukanta. Merde, j'aurais jamais dû faire ça. À moins qu'il baisse sa garde hein, ce serait bien. Mais là baisser en plus ce con. Voilà, allez ciao. Ah le bâtard il a esquivé. Ah je l'ai enchaîné mon gars mais avec une violence. Ah. Ah. Salaud. J'espère qu'il crève. Dommage, c'est vraiment pas passé loin.
Ma parole, je réutilise ça et il crève. Et voilà, niquez tous vos races la pute maintenant. J'espère avoir un S. Tiens, j'ai oublié d'utiliser le truc de soutien. Ah, je pense jamais à le faire. Trop obtenu notre promesse. いっしょう私を守り続ける誓ってくれた。それがあなたが苦しめる呪縛になるとも知らず、10年も前、私のために自分を偽り心を傷つけ、そして今最も慕う人を傷つけようとしている。お願い、どうかもう私から解放されて。 Ah voilà, c'était avec une malédiction et tout, mais j'ai pas compris comment la malédiction elle a été lancée, tu vois. D'accord. Ah ouais, parce qu'elle savait, en fait elle savait que elle en fait elle a un kiff sur Gil et Gil en fait il a un kiff sur Margaret et tout, donc voilà, ça lui a foutu les boules, elle a jeté une malédiction à Margaret. Et vu que lui il tient à Margaret, il doit obéir aux ordres de Vivienne en fait. C'est bon, en fait je comprends tout maintenant, voilà, même pas besoin de revoir la scène, tu vois, bah, grâce au jeu j'ai tout recompris. Bon bah c'est bon. あいつが白夢の森で間違いを口にした時、行動の一切を監視され、誰かを人質に取られていることが分かった。初めから分かっていたなんて嘘よ。本気で戦っていたくせに。ギルボーが好きな女のため命を張ってんだ。俺も命を張るのが男の友情ってもんさ。ようあさ、無事だったか。 Telle, franchement, c'est... elle est trop belle cette meuf. Nani 地獄の宴はこれからだ。メメザメメザメメのマザーチュー目覚めるのだ。 Ah! Ah!
内側からどす黒い魔力が溢れてくるこの感じ。ミイラたちに何が起こっているの？多分彼女たち新世代に入った魔人の血が暴走を始めたんだ。いや、暴走させられてる。Cette personne est autre que Hendrickson. Ah mais ça date maintenant. Voilà, monsieur est intelligent, ici à gauche. Ouais, nouvelle quête secondaire disponible dans Forêt des Rêves Blancs. Quête principale. Vas-y. Nous, on va se faire une quête secondaire, je pense. L'usurpateur. C'est... Ah, l'usurpateur. Et ce qui doit être fait. Ok. Donc là on a Fury de la nouvelle génération. Donc on fait, on a ban, on fait équipe avec King et on se tape contre les démons. Ah ouais d'accord je vois. Là on va se faire l'usurpateur. Alors on va utiliser Gil Thunder et on va se taper contre Hendrickson. Libéré du sort qui le contrôlait, Gil Thunder attaque Hendrickson. C'est l'occasion pour lui de venger la mort de son père et de retrouver sa place de général des chevaliers sacrés. Allez. Allez là on est chaud. Plus Gil Thunder ça va, il a pas un gameplay dégueulasse tu vois.裏切ってなどいない。俺は花から。お前たちの仲間などではないのだから。貴様！貴様の決着は俺の宿願だった。10年間どれほど待ち望んだことか。父を殺した男に復讐する。この時は。さあ、始めようか。 Allez, là ça va être intéressant. Alors, tiens, t'as vu, je commence violemment. Oh, comment je te l'ai niqué! Tiens, Raiton, mon pote. Et il est pété Gil Thunder. Non Gil Thunder il a un gameplay sympa. Oh d'où? Oh non. Putain mais enchaîne-le. Allez, j'espère que ça l'achève. La légende raconte que ça l'achève. Nickel. Voilà, la légende disait vrai. Oh, je le fais tellement du sale. Mais parce que, franchement, Gil Thunder, il a un gameplay, il est bien.辛くて苦しくて誰にも頼ることができない時に唱えるんだ。
Voilà, cette fameuse phrase, ça je m'en suis rappelé, tu vois. Rang A. Putain, Rang A, il se fout de ma gueule. Foutage de gueule. Les rangs, décidément, je ne les comprendrai jamais. D'accord. On n'a rien débloqué de spécial. On va se faire l'autre quête secondaire. L'usurpateur, ce qui doit être fait. Donc, ban adversaire Meliodas avec son épée toute pétée. Ban a disparu pendant l'attaque de la capitale et finit par réapparaître près de Meliodas. Meliodas remarque que quelque chose cloche et demande ce qui ne va pas, mais ban l'attaque sans crier gare. Je crois d'abord faut qu'on se fasse Fury de la nouvelle génération. Chronologiquement, non? Ah bah non. Bah non, non, non. Parce que justement, je crois... Parce que je me rappelle plus trop, mais je crois t'as... Ban, en fait, pour ressusciter Elaine, il a parlé à l'espèce de machin, là, qui lui ont dit, ouais, tue le chef des Nanatsu, et on ressuscitera Elaine. Du coup, il a voulu se battre contre Meliodas, mais après, il a changé d'avis. Et je crois que c'est du coup, après, ouais, non, c'est bon, je sais. Je sais, non, faut que je fasse ça d'abord. Ban est là à 2-4 ans. On remarque que quelque chose ne va pas, machin. Donc j'ai lu, on va se faire ça. Donc on va se faire ce qui doit être fait. Bon, ban, vous allez voir. Sauf si Meliodas il arrive vraiment à me faire du sale. Voilà. Vous allez voir le sale. Bah là je peux plus faire grand chose parce que il est fatigué. Voilà. C'est plus faire du sale là. Alors là c'est rang S++ là le truc, t'as vu? Voilà. Si ça c'est pas savoir utiliser ban, je comprends plus rien, t'as vu? Je l'ai violé. Ah, je vous l'avais dit dans le dernier épisode que je maîtrisais grave bien ban. Par contre, la bouche, c'est bien, elle bouge, tu vois, mais faut la fermer aussi pour pouvoir parler. Là, elle reste ouverte. C'est pas... Bref. Voilà, ban, lui, il a compris. Il le fait, lui. Il parle normalement. Mais comme
ターを殺せばエレインを生き返らせるってな。俺はエリザベスを助け出す。こんなとこでくたばってる暇はねえんだよ。だからといって、はいそうですかと引き下がれるかよ。バンは俺のダチだ。そのお前がやることを否定する気はねえ。だがお前に譲れねえもんがあるように、俺にも絶対譲れねえもんがある。決着はこの件が終わってからつける。いいか。でも頼む、今は七つの大罪フォックス神としてなすべきことをなせ。団長命令だ。了解。J'avoue, parce que... Ah, voilà, Rhaes, là, direct. Avec ce que je lui ai mis à Meliodas. Mais genre, ouais, c'est complètement con de faire ça pendant ce moment-là. Surtout qu'il peut tuer Meliodas n'importe quand, tu vois, genre... le mec, il a voulu le faire tout de suite. Et voilà. Bon, ça, on a compris. Ouais, personne qui dit des choses intéressantes. Bon, ça fait combien de temps que j'enregistre? Bon, bah ça fait une trentaine de minutes, donc je vais m'arrêter là. Écoutez les Nakamas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, partager la vidéo et abonnez-vous si vous voulez toutes les suivre. Et puis moi les Nakamas, je vous dis à la prochaine, et Jana!